Ok. Voilà, bien, merci pour votre honnêteté et bonne nuit. À bientôt. En merci. Tout cas. Peut-être à tout à l'heure, qui sait. Non, je crois pas. Non, j'ai quand même dormi. Allez, ben, on vous souhaite en tout cas bonne pour votre dynamisme aussi tard. Encore beaucoup de courage. Pas voilà. De soucis, pas de soucis. Bonne Faites nuit. De beaux rêves. Voilà, au merci. Revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Merci. Vous allez border peut-être. Oui, mais on peut le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur télévision dans leur chambre. Oui. Et ça, c'est soit un ami ou un ennemi. Il y a des gens qui détestent, des gens qui adorent. Mais moi, enfin, personnellement, je trouve que ça me fait bien de m'endormir, moi, finalement. Mettez de la barytine, alors. C'est quoi ? La barytine est une pierre qui, justement, va absorber le champ énergétique de votre téléviseur. Si vous avez un radio-réveil, si vous avez oui, c'est un GSM. Oui, c'était pas bon, les ondes électriques autour d'un lit. Ben non. Donc, on peut dévier, soit avec de la tourmaline noire, avec de la barytine, avec de la sungite, mais pour le moment, mon cœur est plutôt attiré par la barytine, qui est une pierre qui fonctionne excessivement bien. Vous imaginez les personnes qui ont un matelas électrique ? J'en ai un. Oui, et j'en ai aussi, oui. Et donc, on met quoi, la pierre sous le matelas, alors ? Non, moi j'ai la chance, car d'avoir acheté des lits, où j'ai une grande table de nuit. J'ai un dos de lit, si vous voulez, ah, très large. Vous avez déposé toutes vos pierres au-dessus. Voilà. D'accord. C'est pratique, ça, finalement. Donc, il y a du quartz... Oh là, je perds mon oreillette. Il y a du quartz rose pour apaiser. Il y a aussi de la calcite melon, qui donne aussi un sentiment de relâchement. Oui. Oui, comme l'oreillette. Il y a aussi donc de la barytine. Et je vous souhaite une bonne nuit si vous voulez. Non, 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 encore à l'antenne pendant au moins encore un bon quart d'heure. Mais, et je la vous inviterai pierre... à la maison. Vous voilà, verrez. D'accord. Ok, toute la pierre de Vincent. Mais c'est important, ces petits conseils, on n'y pense pas. C'est un élément de décoration également, mais ça peut éventuellement vous apporter un petit côté bénéfique, toutes ces pierres. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à consulter Vincent sur la ligne privée. Il vous donnera des informations sur laquelle choisir. Et en plus, on en parle également au ciné, toutes ces pierres-là. Donc le temps que Vincent puisse remettre son oreillette, ben, on vous propose l'horoscope du jour.